Yo les gars, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo. Les gars, on a des informations de fou sur la TOTS, vous allez péter un câble. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, n'oubliez pas le like. Au passage, il est pas trop beau ce maillot les gars, j'espère que vous allez tous bien, grosse vidéo. Merci à tous, et d'ailleurs, les deux gagnants de la vidéo de lundi s'affichent quelque part. Donc contactez-moi sur Instagram, vous avez vous deux gagné le pack 85x50. Mais je vous conseille de l'ouvrir pendant la TOTS parce qu'ils vont forcément le remettre. Et les gars, abonnez-vous bien à cette chaîne parce qu'il y aura le plus gros concours de fut qui va sortir pendant les TOTS. Je vais le faire sur ma chaîne les gars, vous n'êtes pas prêts, ça va être une dinguerie. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like. Dites-moi si vous êtes hypé des TOTS. Moi je suis trop hypé parce que les gars, vous allez voir des infos là que je vais vous sortir. Donc là, il y a un pack opening plus informations sur la TOTS. Donc n'hésitez pas à regarder parce que même le pack opening il est extraordinaire. On va avoir plein de 85x50. Des choix icônes, bref, vous allez kiffer. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui like. A plus tout le monde. Et prochain live, les gars, vendredi à 18h15. Les crédits sont enfin disponibles sur MMOXP avec FC24. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les prix sont les moins chers du marché. Avec le code promo R2S, vous avez une très très bonne. T'as retenu? Allez, c'est parti. Espérons qu'il ait de la chance. Et celle-là, ça bug au moment où j'ouvre. C'est pas impossible, hein. Bah, c'est quoi je... Attends, Mbappé? Ok, je préfère skipper, les gars, pour t'as capté. J'ai peur que ça fasse bugger sinon. Donc déjà, il a des bons boosts, ok. Même pas 200 euros en tout avec ce soir. Comment ça? Tu supportes quelle équipe? Les gars, devinez pour qui je suis. Les gars, je sais pas quoi en penser, les gars, la vie. Non, il a une win, les gars. Ah, il a une win, mais il a déjà attaqué comme moi. Non. Et puis, j'ai eu deux trucs derrière. J'ai eu une notée sur 15... La notée sur 15, par exemple, je pense qu'elle peut, valoir 70 balles. En fait, j'ai eu grave de la chance, hein. En fait, j'ai l'impression qu'on a de la chance des fois dans des trucs qu'on connaît pas. Je sais pas comment dire. Tu sais, un mec, par exemple, il connaît pas FIFA, il va lancer FIFA. Il va mettre des sous dans la boutique, il va avoir une dinguerie, il va dire c'est bien, c'est bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Wesh, la connexion des gens, c'est une dinguerie aujourd'hui. Ça va, Gauthier, tu... Oh, Vidic! La bouillabaisse, ça, c'est incroyable. Je l'ai fait, je l'ai fait, t'inquiète. Les gars, la bouillabaisse. Les escargots, oh les escargots c'est bon. Après, est-ce que c'est les escargots qui sont bons? Ou est-ce que c'est l'hypersil? Désolé les gars, il a une connexion de merde, hein. Est-ce que c'est les escargots qui sont bons ou c'est l'hypersil? Je crois que c'est l'hypersil les gars, hein. Je crois que c'est pas bon les escargots à la base, hein. Si t'enlèves l'ail et le persil qu'il y a autour, est-ce que l'escargot il est bon? J'y crois moyen, hein. Parce que moi j'aime tellement l'ail et le persil et c'est... Mais les gars, frérot, fais l'amour avec Vidic! Il n'y a pas, hein. Le 2. Le 2 comme Pogba. C'est bien foutre. Le 4, tu vas avoir de la chance. Mais j'ai pas. Allez, le deuxième. Commencez pas à rigoler. Commencez pas à rigoler. Sinon, je vais tous vous écraser un par un. Votre cervelle dans le parterre. Ok. GG à toi, frérot. Incroyable. Magnifique. Nouveau SBC. Attends. C'est bien les gars. Je sais pas, j'ai une femme. J'ai du mal à dire son nom. J'ai du mal les gars, il a un nom compliqué. Mais oh les gars, on a parlé de Emery, c'est bien. Les gars, on est d'accord, faut prendre Emery là. Les gars, et puis on va récupérer tellement de packs. C'est bien les gars ou pas? Vendre ça en vrai cher alors que c'est des joueurs exceptionnels. En fait le prix il est trop chelou, tu vois les stats, tu... Oui, chez Emery encore. Les gars, deux Emery, les gars! Des choses que jamais j'ai l'impression qu'il m'arriverait, donc je sais pas comment il faut réagir non plus. Mais quoi qu'il arrive, je ferai après pas, ça c'est sûr. Wesh, les gars, il en a combien? Mais comment il a fait? C'est très macho ça, non? Mais bon, j'ai dit, il fera bien les femmes. Oh! Lineker! Pas mal, ça commence bien! D'accord, alors qu'un défenseur, ça augmente deux trucs cool: la physique et la vitesse. Je les ai pas fait, moi, les 83? 86? C'est quoi le prix de Lineker? Bon. Peut-être ça a augmenté avec le nouveau SBC, même pas. Eh les gars, vous achetez le joueur à 50 000 crédits et vous l'améliorez gratuitement. Combien de gestes techniques? Attends, je regarde. En plus, attends, il n'y a pas un délire où tu le passes à plus de gestes techniques que prévu, lui? Il n'y a pas un... ça comme évolution? 4 gestes techniques, 5 de mauvais pieds. Pas mal ça, le 5 de mauvais pieds. En plus, il a le, il a deux bons playstyles. J'aime bien pour l'instant. Franchement, ça va pour le moment. Oula, on a parlé, je crois. Et si la femme fait du MMA, tu fais quoi? Tu la frappes? Je trouve que là, ça devient un peu différent, ouais. Parce que si tu peux pas fuir et tout et qu'elle continue, pour moi, la meuf fait du MMA, elle est plus forte que toi. Mais bon, est-ce qu'après, d'après la justice, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'avoue que c'est... Là, là, les gars,
Et là, la meuf, elle est forte de fou, genre. Elle a fait du MMA, c'est une guerrière, elle a fait l'armée. Est-ce que vous la considérez comme femme ou comme mec? J'avoue que ça devient plus un mec, là. Je la vois plus comme un mec. Bon, mais, là, c'est compliqué, là. Oh là, j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais mec, franchement, tu veux humain ou mid? Ça, je fais confiance, les gars. Je sais pas si c'est vraiment lui qui a dit ça. Je sais pas quoi en penser. Je te laisse choisir, frérot. Tu m'as ouvert mon pack hier pour la première fois. T'as eu quoi? La douille, non? En vrai, ils tuent tous, sauf l'Atletico. Mais ça va, il est beau celui que j'ai pris de l'Atletico, non? En vrai. Nul, Barcelone. Ouais, mais les gars, je parle de... En fait, les gars, quand je vous demande si c'est beau le maillot, oubliez le club en question. Je te reprends. Oubliez le club en question. Par contre, t'as mis un Rodri ou c'est comment? Imaginez, il est encore Rodri. Ça lui fait des notes, hein. Ça me fait penser hier avec De Sailly, les gars. Hier, j'ai acheté deux boîtes de Chelsea. J'ai acheté deux boîtes de Chelsea, donc 65 euros, 65 euros et 65 euros les trois. Donc ce qui fait 200 et quelques. Les trois signatures, c'est trois De Sailly, les gars. Et que je l'ai déjà. Mais j'en ai une autre en doublon comme ça. Bientôt, j'en ai trois. Je ferai gagner celle qui est pas numérotée, bien sûr. Hein. Les numérotés, les gars, c'est plus de 150 euros. Je dis ça, au final, j'ai acheté mes parce que je trouvais vraiment trop beau. Mais les survettes, je me vois pas mettre celui de... Marquisio, c'est bien. Marquisio, c'est bien. En plus, imagine, tu peux l'améliorer. Très bien, Marquisio. Hein. Très, très bien, Marquisio. Hein. Et là, il s'est fait canne. Les gars, les party back, je sais pas quoi en penser. Hein. Vas-y. Et du coup, moi, j'ai pris une grosse box. En fait, j'ai pris une case. Oh, les gars, j'ai Icon. Normalement, c'est Icon, hein. Ouais, c'est... Ah non, c'est Hero. Bah, Icon et Hero, non? Et Icon, non? Les gars, la tête, je rigole pas. Ce pack, les gars. Ce pack, le 84x7, il est exceptionnel. Les gars, vous validez ou pas? Les gars, est-ce que vous validez? Les gars, le 84x7, je crois que je vais faire Essien. Les gars, vous pouvez me dire le prix de Essien? Park Jin-soon et Lineker. Park Jin-soon et Lineker, les gars. On n'a pas des dingueries dans les 84x7, les gars, soyez sincères. Tu la revends et t'es bien, quoi. 2000 balles dans la poche. Hein. Le 1 big, juste il faut payer les frais de livraison quand tu veux utiliser tes 15 euros gratuits. Mais en vrai, quoi qu'il arrive, tu la revends sur eBay au pire. Tes cartes, tu vois, tu peux les revendre sur eBay. Non, moi, du coup, j'ai acheté le spot. On s'est battu avec un mec sur le PSG. C'est parti à 42 balles et je l'ai eu, quoi. Regarde tes notifs sur X. Vas-y, je vais regarder. Français, DC. Allez, s'il vous plaît, des notes. Des notes pour 19h. Pour le choix icône. Les gars, c'était quoi le prix du choix icône? C'est bien, Renard. Renard, c'est bien. Et Katoto, c'est bien. Combien le prix du... Enfin, combien le choix... Rosicky, je garde pour 19h, les gars. Allez, choix icône. S'il a un bon truc dans son choix icône, ça veut dire que je vais avoir une dinguerie sur mon compte. Mec, t'as eu caca, c'est bien. J'en ai vu des choix dans ma vie, mais ceux-là, c'est quoi ça? Oh, voilà, suffisait de parler. Il y en a eu un, les gars. Allez, une petite icône, ça serait cool. En un an, je sais pas, tu peux en avoir 5. Oh, les amis, c'est parti. Le premier choix icône. J'ai pas encore ouvert le mien. Moi, je le vois après. Le... Oh, bien. Eh, les gars, pour son équipe, c'est bien. La vérité, pour son équipe, c'est bien. Les gars, validez. Tu verras tout à l'heure, on va rejoindre un mec qui l'en a. Allez, Gauthier. Il y a un mec qui a dit Cantona. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. J'ai pas encore ouvert le mien, si jamais, les gars. Allez. Le troisième, pour le moment, on a eu de bons choix. Hein. Les gars, c'est bien. Petit, ça va. Petit, ça va. Ouais, soit acheter des crédits, soit des points FIFA. Un des deux, les gars. Hein. En fait, tout dépend. Je pense que je vais faire les deux, je pense. Petr 7, c'est bien. Smith, s'il vous plaît. Eh, les gars, j'ai eu 4 fois Smith à la suite sur mes choix icônes à moi. Là, c'est bien. Et le Petr 7, c'est bien. Malheureusement, il a déjà. Ouvre le tien. Ouais, je vais l'ouvrir, Nahir. Juste me dis pas ce. Oh, Smith. Et les gars, je vais avoir Smith sur mon compte. Je sais pas combien, mais. Cher, hein. Oh les gars, cher de fou. Ok, Crespo, Riquelme et Van Basten. Les gars, là il s'est fait douille, hein. Allez, encore un après ça, moi. Mais imagine dans 20 ans la valeur que ça peut prendre, ça. Quand ces joueurs ils sont à la retraite et tout. C'est dinguerie, hein. Les amis, allez, c'est parti. Donc bon, quoi qu'il arrive, il a un héros et une icône. Mais il en aura plusieurs, les gars, c'est sûr. Oh, ça c'est 100k, les gars. Ça c'est 100k, ça. C'est une one of one, c'est deux joueurs d'exception. Ont marqué nos générations, c'est bout de maillot en plus, signature en plus, officiel. Ah, ça, c'est trop. Ça, c'est abusé, ça. En plus, c'est la collection, en plus, à Inception, c'est vachement connu. Ok, boost. Boost. Franchement, je te dis la vérité.
Si, c'est vachement bien, les gars. Dites-lui que c'est bien. Dites-lui que c'est bien. Soyez sincères avec votre vie. Dites-lui que c'est bien. Parce qu'en fait, Vidic, t'auras une version, à ce qui paraît, elle est mieux que la 94. Parce qu'en fait, Vidic, tu peux l'améliorer. Tu peux le passer à 92. Il passe à 86 de vitesse, 95 de défense et je sais pas combien, mais les mecs, c'est une dinguerie. Genre vraiment, il a des stats de fou là avec le up. Donc up Vidic. Vraiment Vidic, c'est Nahir qui m'a dit, il est vraiment incroyable genre. Son pack, il est pas mauvais les gars, regardez. Ah, ne fais pas ça. Les gars, j'ai trop les comment j'ai bugué. Tu sais pas quoi. Allez, ne pas Smith. Quel tech je fais, les gars. Bah, tu sais quoi. À partir de vendredi, je ferai le truc où on cache et on voit les pays. Comme à l'époque, les gars. À l'époque, on faisait ça, on cachait, on voyait que les pays, genre. Hop. Normalement, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, pas Smith. 68 de physique. 90 de dribble. Wouah, c'est quoi ces stats? Comment tu peux être un attaquant? Enfin, je sais même pas c'est quoi. Parce que c'est pas un défenseur. C'est pas un défenseur droit, c'est pas un défenseur gauche, c'est pas un MDC. C'est pas un MC. Un MC, c'est complet, tu vois. C'est pas du tout complet, 36 de défense. Et surtout, 70. C'est pas un MOC, il a pas de passe. Il a pas de tir. Il a rien, frère. Il a rien. Ah ouais, Owen. Ah ouais. Il a rien, les gars. Il a rien. Comme ça, vous verrez ce que j'ai. Je vais avoir 12 signatures garanties. 12 signatures dans la box, les gars. Ok. 91 de physique. En fait, je suis trop hype, les gars, de vendredi. Parce qu'en fait, c'est une toute nouvelle collection. 82 dribbles. Drogba. Moi, le jour où j'ai pris la photo avec lui, j'étais trop fier. 73 de physique. 88 de dribble. Vas-y, va te faire foutre. Allez, commencez pas à rigoler. Vraiment, tu vas kiffer. Hein. Je suis pressé que tu la reçois en plus, toi. Voilà, on est ensemble, ma gueule. Mon rouilla. Ok, choix icône. C'est pas toi sur la photo. Non, c'est pas moi. Oh, j'aimerais trop qu'un jour, il y a 3 wins. Je sais qu'à un moment, on avait eu un truc de fou. Hein, mais c'était 2 wins, je crois. C'était Rivaldo et c'était qui le mec à gauche, les gars? Zahamri. Sanchez, c'est nul. Hein. Zahamri. J'ai du mal, les gars, j'ai du mal. Mais il m'a packé 2 one of one. J'étais rentabilisé. Les gars, c'est parti. Zahir. Ah, c'est Zahir. Mais oui, on dit Zahir. On dit, c'est Zahir Emery. C'est bon. Je l'ai bien dit, là. Zahir Emery. Parce que moi, je dis Zah. Moi, je dis Zah. Zahir. Zahir Emery. Les gars, c'est ça. Zahir, il est remplaçant ce soir. Pourquoi il est pas bien? Il est malade? Je kifferais qu'il y ait des signatures. Imaginez, oh les gars, imaginez des cartes et il y a des signatures sur les cartes FIFA. Ça serait pas incroyable en vrai? Arrête de faire l'accent. Bah, il a un accent, non? Genre, il a pas d'accent, genre. Ok. Les gars, je sais pas quoi en penser, les gars. En vrai, Lineker, c'est bien si tu veux l'améliorer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les gars, choix icône, on continue. Il n'y a pas eu de grosse win pour le moment, non? C'est quoi la plus grosse win qu'on a eue pour le moment, là? Ok, Sanchez, Gattuso. Les gars, j'ai plein d'infos à vous donner. Donc voilà, on ne sait pas vraiment encore de sûr, mais dans la logique, c'est à 90% sûr. Donc il y aura des joueurs TOTS évolutifs et sûrement des TOTS showdown. Donc vous connaissez bien les showdown, je vais vous réexpliquer. Donc là, les gars, je vais bien sûr traduire hein, pour bien comprendre. Alors, il y a un mec qui dit « Les TOTS semblent commencer cette semaine. » Donc, c'est pour ça que l'autre, il disait que ça commencera vendredi, alors qu'il y en a, ils disent la semaine prochaine. Je pense qu'en fait, les deux ont raison. Cette semaine, très probablement, une série d'échauffements. Donc voilà, en gros, ça sera vendredi, l'échauffement. Et potentiellement, un vote communautaire. Donc, on pourra voter et on aura des évos. Il y a aussi 2 nouveaux designs. Donc voilà, vous avez vu les 2 nouveaux designs. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça va être mieux tout à l'heure. Signifie généralement une mise à niveau. Donc, ça veut dire généralement, il y aura une mise à niveau. Donc comme les showdowns par exemple par rapport à la réalité. Mais il y aura aussi des conceptions évolutives. Donc il y aura 2 sortes d'évolutions. Il y aura les évolutifs en rapport avec toi-même, ce que tu choisis d'évoluer. Et il y aura aussi les showdowns qui se rappellent, enfin en rapport à la vie réelle.
Donc ça c'est cool. Donc là c'est ça que je vous parlais, mise à niveau de la saison, nous devrons obtenir des tots évolutifs comme un style de confrontation et si promotionnel. Que pensez-vous? Franchement, moi je trouve ça exceptionnel. C'est rare les gars, ça change, c'est cool. En plus on doit faire des choix, c'est pas mal. Donc voici tout ce qui va sortir en carte pendant les tots. Il y aura 6 tots différents. Normalement vous en avez 2, 3. Normalement il y en a 3 les gars, hein. À la base des bases genre. Donc là il y aura les tots, il y aura les tots live, les tots plus, les tots foot champion récompense. Normalement on a les tots et les récompenses, normalement c'est tout, hein. Donc les tots HM, un peu comme justement, comment ça s'appelle, quand il y avait les Tochi là, nominés là. Et les tots évolution. Donc ça c'est vraiment cool. Et justement hier en live on s'est dit, le tots live, est-ce que ça serait pas justement les tots qui sont en live dans les objectifs, vous savez. Allez dans objectifs live, vous verrez, il y a des joueurs qui sont gratuits. Je crois qu'il y a Xavi Alonso qui est gratuit en icône. Donc voilà les joueurs qui vont sortir les gars. Donc j'ai l'impression que bah, ça c'est sûr à 100%. Parce que si donc il a mis ça, c'est que ça va sortir. Regardez, il a même mis 3 playstyles en mode qu'est-ce que ça vont être les playstyles. Donc déjà Foden c'est sûr dans la logique des choses. Saliba ça va être sûr aussi les gars. Ça va être pas mal ça. Saliba les gars, s'il a vraiment, imaginez il a vraiment ses stats. 94 de vitesse, 52 shoots. Ça serait... Non mais par contre c'est abusé la défense et le physique. Hein. Imaginez t'as lui et Van Dijk. Non, je crois qu'il est un peu trop abusé sur les trucs. Hein. Parce qu'en plus, il faut pas oublier les playstyles. Hein. Les playstyles rajoutent un truc de fou. Hein. Genre si par exemple, il a ça en défense, plus je lui mets un playstyle en rapport avec la défense, c'est comme s'il se retrouvait à 110 de défense, hein, en gros. Hein. Non, franchement, ça va être une dinguerie. Hein. Donc là, les gars, tots, tots plus, etc. Donc qu'est-ce qu'il dit, lui? 4 modèles de cartes ajoutées jusqu'à présent pour les tots. Tots live, tots live est nouveau. Que pensez-vous de celui-là? Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça exceptionnel. Hein. Donc, ouais, en gros, tout le monde parle de ça. Hein. Deux nouveaux modèles de cartes sur le thème TOTS. Deux flèches ont été vues dans la dernière promo What If dans FIFA 22 et Showdown SBC pour indiquer une mise à niveau. T'en penses quoi? Donc, du coup, il y aura deux mises à niveau. Une en temps réel, en rapport avec la vraie vie. Et une en rapport avec FUT et tes choix que tu aimerais faire. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Moi, je trouve ça incroyable. Les amis, n'hésitez pas, si jamais vous cherchez des maillots de foot pas chers à 20 balles, lien en description, code promo R2S. J'ai kiffé cette vidéo, les gars, que ce soit le pack opening et vous parler de ce qui va sortir. Je suis trop pressé, que ce soit des récompenses foot champ en rapport avec les tots. Parce que là, on va confronter, on va dire, des nuls, des gens qui ont un peu peut-être lâché le jeu. Mais là, si vous voulez reprendre le jeu, c'est le moment parfait. Vraiment là, les gars, là, aujourd'hui, là, c'est le moment parfait. Mais vous prenez pas la tête. Vous faites vos objectifs, il y a plein de packs gratuits. Avant, il n'y avait pas ça. Il y a plein de packs offerts, vous faites les coupes, vous faites du Division Rivals. En plus, si t'as lâché le jeu, ça veut dire Division Rivals, c'était loin. Donc franchement, très intéressant. Bref, j'espère que vous avez kiffé. A plus tout le monde. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui restent. Ça prend vraiment 2 secondes. Ciao. Aldo, j'ai fait 100 fois joueur, on dirait que je suis parano. Frérot, c'est R2S, ne me compare pas à un autre. Frérot, c'est R2S, ne me compare pas à un autre. Point d'exclamation, pack, si tu veux du lot gratuit, fidèle comme les